Aujourd'hui, Antoinette, on se donne rendez-vous avec l'amour. Ah, rendez-vous avec l'amour. Avec l'atelier, réapprendre à aimer puis à se laisser aimer. Tu sais, Geneviève, on pense tout le temps que ce qui se passe dans nos relations amoureuses, c'est par hasard. Parfois même, on responsabilise les situations extérieures et l'autre. Et les personnes sont souvent étonnées quand je leur dis qu'on a un programme d'amour en dedans de nous. C'est vraiment imprégné en dedans de nous. Et on va répéter en amour ce qu'on a reçu et l'effet de ce programme qui est en dedans de nous. Alors l'atelier « Réapprendre à aimer et à se laisser aimer » que je donne aussi sous différents thèmes, même si c'est le grand titre, parfois c'est en lien avec s'ouvrir à l'amour, parfois ça a un lien directement avec la relation amoureuse, parfois même ça a un lien avec l'âme et la relation amoureuse. Et c'est tout le temps d'aller regarder qu'est-ce qui se passe pour moi dans l'amour, autant l'amour avec moi, c'est ça le titre, « Réapprendre à aimer et à se laisser aimer ». Alors, autant dans la relation avec moi que dans la relation avec l'autre. Les gens apprécient beaucoup ça. À partir de ce qu'ils découvrent en eux, puis ce programme, et quand ils commencent à aller voir tous les obstacles et comment les défaire, alors j'ai créé cette approche particulière que j'appelle « Créer son livre d'amour ». Et on fait la création de ce qu'on veut réaliser dans l'amour tout en connaissant qui je suis réellement. Choisir l'amour, la deuxième clé, et je vous laisse avec cette affirmation « Je suis digne d'amour ».